גד ולבנורה לכבוד הקדוש ריבי יעקב וחצרה ערוך מלל נבילה אל גד ולבנורה לכבוד הקדוש ריבי ארבעים שנה הסתגר וגג עליית ביתו איש אלוקים קדוש הוא רבי משה אהרון פינקו התפלל על עדתו ועל ישראל עמו תחרו בכל זרעו איתו רבנו חיים פינקו הערוך מהלל נבילה אל גדול ונורא לכבוד הקדוש ריבי יעקב וחצרה ערוך מלל נבילה אל גדול ונורא לכבוד הקדוש ריבי יעקב וחצרה ירי שבחבורה פניו כפני השכינה כתב העופה אשכונה רבי יצחק וחצרה Shalom aleichem, mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien, vous vous portez bien. Vous demandez de continuer à vous abonner sur notre chaîne YouTube. On n'est malheureusement pas assez d'abonnés et on est loin d'atteindre l'objectif qui est celui d'avoir notre propre chaîne. S'il vous plaît, faites-le, c'est une mitzvah, ce qui nous permettra, Be'ezat Hashem, de pouvoir intervenir quand on voudra et inviter des conférenciers, des intervenants, Be'ezat Hashem, Shurato, pour les commémorations également. Et pour beaucoup d'occasions religieuses, Be'ezat Hashem, et culturelles, bien évidemment. Ensuite, vous pouvez toujours continuer à nous rejoindre sur le groupe Facebook TorahDiffusion.ma ou sur le groupe WhatsApp de discussion TorahDiffusion.ma sur lesquels je diffuse mes cours, Be'ezat Hashem, Bishurato. On va parler d'un sujet qui est assez intéressant aujourd'hui, qui nous laisse réfléchir parce qu'il va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de penser. C'est la valeur des actions, pas en fonction, on va dire, de leur importance, mais plutôt de la façon par laquelle elles sont faites. Et surtout, elles vont révéler, on va voir un exemple, elles vont révéler la véritable personnalité de celui ou de celle qui fait cette mitzvah. On a tendance toujours à penser qu'une personne qui donne des millions c'est une grande mitzvah, bien évidemment, personne n'en doute une seule seconde. Mais on aurait tendance à penser que plus une action est grosse et plus elle est connue, sue, plus elle est diffusée, plus il y a de publicité, plus elle a, on va dire, de l'éclat, et plus elle a de la valeur par rapport à une action qui est réalisée, dans la sobriété la plus totale ou dans la discrétion la plus totale. Ce n'est absolument pas le cas et on va le voir dans ce récit ici que je vous ramène, qui est ramené dans Maseret Avodazara, dans le traité de Avodazara. On parle de deux très grands haramim à l'époque de Rome
Un qui s'appelle Rabbi Yossi Ben Kisma, vous avez eu l'occasion peut-être d'entendre parler de lui dans le Pirkei Avot. Et ce Rabbi Yossi Ben Kisma a été rendre visite à faire Bikur Cholim à Rabbi Hanina Ben Teradion, bien évidemment. Vous savez que Rabbi Hanina Ben Teradion a fait partie des Asara ou Gemachut, des 10 sacrifiés de la royauté de Rome à l'époque. D'ailleurs, c'est la période à Tisha B'Av, il y a une kina, donc il y a une élégie qui est dédiée à leur mémoire. Rabbi Hanina Ben Teradion est mort d'une mort atroce. Et donc il était malade et Rabbi Yossi Ben Kisma était venu le voir. Alors, vous savez, ces hachamim ne comptaient jamais sur, on va dire, leur niveau spirituel. Ils se satisfaisaient jamais de leur niveau spirituel, quel qu'il soit, quel qu'il ait été. Bien que c'était de grandes personnes, des gens qui étudiaient la Torah du matin au soir, qui faisaient beaucoup de mitzvot. Mais malgré tout, comme à l'image du vrai croyant, ils doutaient toujours d'eux. Et donc, ils avaient toujours besoin d'avoir l'avis d'un grand de la Torah comme eux. Et donc, ce Rabbi Hanina Ben Teradion, qui était malade, pose la question à Rabbi Yossi Ben Kisma et lui dit la chose suivante. Hanina, et ata yodea she umazo va anishamat yalecha shata yoshev osek ba Torah umakil ki ilot rabim vesafer munal behekecha. En fait, on sait que Rabbi Hanina Ben Teradion enseignait la Torah en cachette à l'époque de Rome. C'était quelque chose de, bien sûr, c'était un acte de rébellion. Et en sont morts tous les grands hachamim, comme Rabban Shimon Ben Gamliel, comme Rabbi Akiva, comme Chutzpita Meturgeman, comme Rabbi Hanina Ben Teradion, comme Rabbi Ishmael Kohen Gadol, enfin, une pléiade de malachim, de tzadikim kedoshim, qui sont morts atrocement à l'époque de Rome parce qu'ils enseignaient la Torah. Et donc Rabbi Yossi Ben Kisma, il lui dit, « Hanina, mon fils, ne sais-tu pas que cette nation est une nation féroce et dangereuse ? Et toi, j'ai appris que tu continues à assembler des groupes et à leur enseigner la Torah avec un Sefer Torah carrément contre ta poitrine. Ne sais-tu pas que tu risques la mort ?» Alors il lui répond, Rabbi Hanina, à Rabbi Yossi Ben Kisma, lui, Rabbi, ma'ani le haya olam abba, s'il te plaît, quelle sera ma part à moi dans le olam abba, dans le monde futur? Donc c'est Rabbi Hanina qui pose la question à Rabbi Yossi Ben Kisma. Ce Rabbi Ben Kisma qui lui avait reproché de mettre en danger sa vie. Au lieu de lui répondre, lui donner un argument, lui dire non, mais tu sais, je fais attention, on fait ça en cachette, et la Torah le prime surtout. Il lui dit tout simplement à Rabbi Yossi Ben Kisma, « Rabbi, quelle sera ma part à moi dans le Olam Abba ?» Donc déjà, il doutait de sa part dans le Olam Abba, de la taille de sa part dans le Olam Abba. Vous savez ce que lui répond Rabbi Yossi Ben Kisma? Il lui répond, « Klou ma'aseba lidecha. Est-ce que tu as quelque chose, une action que tu as faite, que tu veux me raconter, quelque chose de spécial ?» Amarlo, alors il lui répond, Rabbi Hanina Ben Teradion, Ma'ot shel Purim ithalfu li be'ma'ot shel tzedaka ve'hilaktim la'aniyim. Il a dit, une fois, j'avais de l'argent pour la Seouda de Purim et elle s'est mélangée avec de l'argent que je ramassais pour les pauvres. Ne sachant combien revenait aux pauvres et combien me revenait, j'ai tout donné aux pauvres. Alors il lui répond, Rabbi Yossi Ben Kisma, Inken, ha, mehelkecha yehelki. Il dit, ah, maintenant que tu m'as raconté ce maasé là, alors que ma part, je souhaite que ma part dans le Gana Eden, dans le Olam Elyon, dans le Olam Haba soit égale, qu'elle fasse partie de ta part à toi, tellement je sais que tu vas avoir une grande part dans le Olam Haba. Alors, tout le monde se pose bien sûr la question, pourquoi d'abord Rabbi Yossi Ben Kisma a demandé à Rabbi Hanina Ben Teradion s'il avait une action spéciale à lui raconter pour pouvoir lui répondre s'il pourrait accéder et quelle aurait été sa part dans le Olam Haba. Pourquoi ne venait-il pas de lui reprocher de mettre sa vie en danger et d'enseigner la Torah dans un endroit où la nation de Rome était une nation terrible, destructrice, impitoyable,
et tu enseignes la Torah, tu prends, tu mets ta vie en danger pour la Sainte Torah. Et quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu mets vraiment, comment dirais-je, tu te sacrifies pour la Torah au péril de ta vie. On sait que si tu es attrapé, tu es immédiatement exécuté. Et malgré tout, Rabbi Yossi Ben Kisma, qui sait tout cela, il lui pose la question, bon, est-ce que tu as un maasé à me raconter, une action quelconque à me raconter? Pourquoi cette action-là d'enseigner la Torah au péril de sa vie ne suffit-elle pas à Rabbi Yossi Ben Kisma? Alors, la mise en danger de sa propre vie, ce n'est pas le plus grand des cadeaux qu'on puisse faire pour la Torah? Ne suffit-elle pas? As-tu besoin d'un autre maasé? Et aussi, quand l'étonnement est encore plus grand, parce que Rabbi Yossi Ben Kisma n'était pas quelqu'un qu'on pouvait impressionner. D'accord? Lui-même, dans Pirkei Avot, il y a marqué qu'un jour, sur Rabbi Yossi Ben Kisma, il avait rencontré quelqu'un qui le connaissait de sa vie. Rabbi Yossi Ben Kisma était quelqu'un d'un très grand Talmid Chacham. Et cette personne qu'il avait rencontrée lui a dit, s'il te plaît, Rabbi, viens avec moi enseigner la Torah, être le rabbin de notre ville, et je te donnerai Melo Kesef Zahav, je te remplirai d'or et d'argent. Qu'est-ce que lui a dit Rabbi Yossi Ben Kisma? Même si tu me donnes tout l'or et tout l'argent du monde, je n'habiterai que dans un endroit de Torah. Donc on voit que Rabbi Yossi Ben Kisma n'était pas impressionné facilement. D'accord? Et donc malgré tout, c'était pas quelqu'un qui était impressionné par de petites choses, puisque lui-même avait renoncé à la fortune. Et pourtant, quand il lui a dit, Rabbi Hanina Ben Teradion, qu'un jour, un petit maasé qui s'est passé chez lui à la maison, il s'est rendu compte, quand il a sorti de sa poche, que tout s'était mélangé, Rabbi Yossi Ben Kisma a été impressionné. C'est quand même étonnant. Alors, va nous dire quelque chose, Rabbi Eliyahu Dessler, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, un des plus grands penseurs de ce siècle, il va nous dire au nom de son père, et je vais paraphraser ce qu'il dit, chez Bidvarim Dolim en Amadrega Amitim Shel Pnimiut Adam Nikeret, que dans les grandes choses, dans les grandes actions, les actions d'éclat, elles ne reflètent pas, ces actions d'éclat ne reflètent pas l'intériorité réelle de la personne. Pourquoi? Car dans une action d'éclat, quelqu'un par exemple qui annonce dans un gala devant tout le monde qu'il va donner 2 millions de dollars, c'est une grande chose, parce qu'il faut déjà les donner. Mais est-ce que cette action qui a été réalisée, elle est lishma, c'est-à-dire l'Eshem Shamaïm, ou elle a été, on va dire, poussée par l'environnement de personnes qui le regardaient et qui l'admiraient, est-ce qu'il y a eu, on va dire, une impulsion, non pas de l'intérieur, mais plutôt de l'extérieur? Il y a bien sûr une impulsion de l'intérieur. Donner de l'argent, c'est pas facile. D'accord? Mais est-ce que ne s'est pas mélangé avec cette impulsion intérieure une impulsion extérieure? Tous ces gens qui étaient là, des gens importants, se lever et annoncer qu'on va donner de l'argent et une somme pareille, eh bien, ça fait, on va dire, ça nous flatte, ça nous fait, comment dirais-je, un Arnaud Boltim, comme on sort du lot devant tout le monde, etc., etc. Donc, est-ce que ce maasé-là n'est pas un maasé qui n'est pas complètement l'ishma, l'Eshem Shamaï? Ben, le Rav Eliyahu Dessler, il dit que dans toute grande action d'éclat, où il y a, on va dire, une influence extérieure, eh bien, cette action ne révèle pas la véritable personnalité spirituelle du donneur ou de celui qui fait cette action. Son intériorité n'est pas révélée totalement. Pourquoi? Il dit, Oulam bidvarim ktanim. Pourquoi? Parce qu'il dit, à cause de la hitlahavout extérieure, c'est-à-dire à cause comment dirais-je, des répercussions qu'a cette action à l'extérieur et qui donne cette impulsion
à la personne pour faire la chose. Sans peut-être que cette même personne serait trouvée dans son bureau et que la personne qui organise ce gala serait venue le voir et lui aurait demandé un don, il aurait fait certains dons, mais peut-être qu'il n'aurait pas fait un don de cette taille. Donc qu'est-ce qui a été le moteur de ce don-là? C'est peut-être l'environnement extérieur. La hitlahavut, il appelle ça, c'est-à-dire l'enthousiasme que va procurer à la personne le regard des gens, l'admiration des gens, etc., etc. Par contre, il dit le Rav Elio Dessler, dans des petites choses cachées, où la personne, quand elle le fait, ou quand elle fait cette action, il n'y a aucune chance que qui que ce soit l'ait remarqué. Donc on est sûr que cette action, elle va être faite complètement les Shem Shamaïm, complètement au nom même de l'action. Et cette action, elle va révéler, on va dire, l'intériorité de cette personne, puisque rien d'autre, à part lui-même, il n'y a eu aucune influence extérieure, rien d'autre à part lui-même ont été à l'origine de cette mitzvah. Et là, on arrive à connaître réellement, on va dire, la madriga, le niveau spirituel dans lequel se situe cette personne. Et il dit dans le Midrash une très belle chose. « En akadosh baruch hu noten gedula la adam, al shebotkehu bidvar katan. » Akadosh Baruch Hu ne donnera de la grandeur à une personne pas avant qu'il ait vérifié sur des petites choses. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, comment on le sait? On va prendre l'exemple de Moshe Rabbeinu ou David Ameler. On va prendre Moshe Rabbeinu. Vous savez comment Akadosh Baruch Hu a décidé que Moshe serait le grand d'Israël, serait le futur sauveur d'Israël, tout simplement, sur une petite chose. Moshe Rabbeinu, vous savez qu'il était berger de son beau-père Yitro, et il s'occupait donc des troupeaux de Yitro, son beau-père, et un jour, une petite brebis, ou un petit agneau, s'était écarté du troupeau, et s'était perdu, et il a commencé à bêler, et Moshe Rabbeinu l'a repéré, et il a vu qu'il était affolé et apeuré, et donc qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a pris cette petite brebis, cet agneau, et il l'a mis sous son épaule, et il l'a transporté, il l'a amené avec lui, partout. Il n'a plus laissé marcher parce qu'il était fatigué. Il lui a donné à boire et il s'est occupé de lui. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Hayecha, tu t'occupes aussi bien du troupeau, et tu as eu de la peine pour cette petite brebis, eh bien c'est toi qui dirigeras mon peuple. Donc on voit qu'à partir de quelque chose qui va nous paraître insignifiant. S'occuper d'un troupeau, c'est quelque chose de bien. Avoir pitié d'une bête, c'est une mitzvah. Mais par rapport, à la mission qui va lui être réservée, de s'occuper d'un peuple de 3 millions de personnes, avec tout ce que ça va entraîner, les faire sortir du creuset de l'Égypte, avec les difficultés que ça... Qui te dit que Moshe Rabbeinu, peut-être, est compétent au niveau du troupeau, au niveau, peut-être que c'est un saint berger? Comment Dieu, bien sûr Dieu sait tout, mais comment Dieu l'a mis à l'épreuve sur une petite chose, et il était sûr que il aurait fait de même avec le peuple d'Israël? Eh bien, parce que les qualités sont quelque chose d'intrinsèque. Et réellement, ces qualités sont révélées toujours dans des actes qui sont très très simples. Je vous donne un autre exemple. Eliezer, quand Abraham Avinu l'a envoyé chercher une femme pour Isaac, son fils, Eliezer ne savait pas quel signe, comment reconnaître cette fille pour son maître Isaac, qui était le futur, on va dire, père d'Israël. Et donc sa femme, sa future femme, devait être la mère d'Israël. Donc on n'aurait pas pu choisir n'importe qui, il fallait quelqu'un pétri de qualité. Or lui, dans l'endroit où il allait, il ne connaissait personne. Abraham lui a juste dit, tu vas là où j'habitais, chez mon peuple,
et surtout pas à Canaan, qui sont des idolâtres, et tu vas choisir une fille là-bas pour mon fils Isaac. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Eliezer, qui était quelqu'un de très intelligent, il a dit, voilà, si la première fille qui se présente à moi vient vers moi et me dit, donne-moi, comme il avait Eliezer des chameaux avec lui, etc., il avait du personnel, et qui lui disent, maître, donne-moi, veux-tu que j'abreuve tes chameaux? Et elle prend tout de suite sa cruche, elle va au puits, elle remplit l'eau et elle me l'amène, et elle abreuve mes chameaux, alors c'est elle que je choisirai pour mon maître Isaac. Alors ils disent les Hachamim, attends, c'est un endroit où il y a quand même des idolâtres, c'est un endroit où il y a quand même des gens qui sont pétris de défauts. Cette fille-là, elle est sûrement issue d'une de ces familles. Et tu vas la donner à ton maître Isaac. Il faut au minimum, à minima, que tu t'asseyes avec elle et que tu discutes avec elle pendant des heures. Tu lui poses des questions sur sa façon de penser, sur les dieux qu'elle adore, sur ce qu'elle sait, ce qu'elle pense d'Akadosh Baruch Hu, toutes les choses qui vont faire qu'elle sera la future mère d'Israël. Or, toi, sur quoi tu te bases? Tu cherches même pas à savoir si elle est idolâtre elle-même. Sur quoi tu te bases? Tu te bases sur une qualité, qui est certes une grande qualité, qui est celle du Chesed. Celle du Chesed, a dit Eliezer, si cette fille est en elle, elle fait cette petite chose. Eh bien, cette petite chose est une grande chose. Parce qu'à partir de cette petite chose, on pourra bâtir la personnalité de cette future matriarche. Si elle n'a pas cette petite chose-là, si elle ne fait pas ce petit acte, tous les autres actes qu'elle pourra me présenter seront surfaits et ne dénoteront pas de son intériorité. Et ce qui m'intéresse à moi, il a dit Eliezer dans sa tête, c'est de savoir ce qu'elle vaut intérieurement. À partir de là, si elle a d'autres défauts, ce n'est pas un problème. Ils pourront être corrigés. Mais le plus important, c'est de savoir ce qu'elle vaut intérieurement. Donc on voit que ce qu'on peut qualifier comme des actes insignifiants peuvent être au contraire très importants aux yeux, et sont très importants même, je dirais, aux yeux de Hakadosh Baroukh. Car c'est à partir des petits actes qu'on arrive à construire une personnalité et à agir et à faire de grands actes. C'est pour ça que tous les matins, on nous demande de donner de la tzedaka quand on arrive à la synagogue. On peut prendre un chèque à la fin du mois de 100, 200 euros, puisqu'on donne, on va dire, 10, 20 euros par jour. On peut donner un chèque de 500 euros pour ceux qui ont les moyens. Et ou d'un seul coup, pourquoi tous les jours? Il y a parce qu'ils disent les Hachamim que cette répétition de petits actes tous les jours a une influence importante sur notre personne. Et quand on s'habitue à faire le bien, on devient nous-mêmes bien. Tout simplement. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas toujours les grands actes avec publicité, on va dire éclat, qui sont toujours aux yeux d'Akadosh Baruch Hu considérés comme grands, mais très et souvent des actes qui sont faits dans le Seter. Revenons à Rabbi Hananiah ben Théradion. Qu'est-ce qu'il a fait somme toute? Il y avait deux actes dont on parle dans ce cours. On parle de l'acte suprême qui est celui de mettre sa vie en danger pour enseigner la Sainte Torah. Y a-t-il sacrifice plus grand que de donner sa propre vie? Et à côté, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons quelqu'un qui est assis chez lui et qui vide ses poches et qui se rend compte que finalement, l'argent de Pourim et l'argent de la Tzedaka s'est mélangé. Et il décide de tout donner pour la Tzedaka, de peur de ne pas donner ce qu'il fallait et ce qui était réservé à ses animes. Alors normalement, tout de suite, on pense qu'il faut choisir le plus grand des actes, eh bien c'est celui-là, c'est celui de donner sa vie. Ah, Rabbi Yossi Ben Kisma, lui, n'est pas impressionné par cela. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de grand de donner sa vie pour la Torah. Mais peut-être que l'adrénaline aidant, l'enthousiasme aidant, cette ferveur de l'étude, cette envie d'enseigner, eh bien, sont aussi le moteur intérieur qui le pousse à mettre sa vie en danger. Très souvent, des gens rentrent dans la police, choisissent de rentrer dans la police. C'est quelque chose d'extraordinaire, de défendre le citoyen.
de défendre le faible contre le fort. Il n'y a pas plus grand. Mais en même temps, quand on analyse souvent ces policiers, en plus du fait qu'ils mettent leur vie en danger, eh bien, ils aiment aussi un petit peu cela. C'est-à-dire que l'adrénaline aidant, le fait d'être toujours sous le feu de l'action, bien, si vous voulez, ça les conforte à continuer. Et d'ailleurs, très souvent, quand ils s'arrêtent, ils sont à la retraite, ils ne sont pas bien du tout. Ils sentent qu'il leur manque quelque chose. Donc réellement, c'est vrai que c'est grand d'aider son prochain, de protéger son prochain. C'est incontestable. Mais il y a aussi en plus, à l'intérieur, cette soif de l'action, de l'aventure, etc., etc., etc. Donc peut-on dire à 100% que cette personne s'est engagée, ou peut-être tout au début, mais après, est-ce qu'il s'est engagé complètement pour être totalement seulement au service du citoyen? Oui, c'est vrai, mais il y a en même temps une part, on va dire, de désir personnel. Et donc, ce n'est pas ce qu'on appelle en hébreu complètement l'ishma. C'est exactement la même chose. Quand il était chez lui, Rabbi Hanina ben Teradion, il n'y avait personne pour le regarder. Il était tout seul. Et donc, il n'y avait aucun éclat à l'action. Et pourtant, il a choisi de la faire. Ce qui dénote que ce qui l'intéressait en réalité, c'est la pureté de la mitzvah. Et ça, c'est le point central du cours, Rabotai. Une mitzvah, Akadosh Baruch Hu la considère complète quand elle a été réalisée pour la mitzvah elle-même. Et qu'il n'y a pas une part en nous, on va dire, d'ego qui se mélange à elle, ou de désir personnel. Ça ne veut pas dire que s'il y a du désir personnel ou de l'ego, la mitzvah n'est pas agréée, hasve halila, puisque on le sait, je dirais si je parle que de moi-même, peut-être sans m'en rendre compte même, de manière consciente ou inconsciente, 90% de nos mitzvot sont mélangés avec, on va dire, nos désirs personnels, notre ego. C'est pas tout à fait l'ishma. Peut-on qualifier d'être des personnes qui agissons complètement les Shem Shamaïm? Sûrement que non. Mais d'un autre côté, quand Akadosh Baruch Hu demande et on va dire apprécie une mitzvah et l'appelle mitzvah, l'ishma, c'est quand elle est réalisée comme Rabbi Hanina ben Teradion. Et alors là, Rabbi Yossi ben Kisma peut lui dire Yihelkecha, Yihelki Helkecha. Que la part qui te sera réservée dans... J'ose espérer, j'espère pour moi, que la même part qui t'est réservée dans le Olam Haba soit ma part à moi également, tellement il a été impressionné par cela. Voilà. J'espère que ce cours vous aura plu, mes chers amis, et qu'on se reverra très bientôt. Baruch Adonai le Olam. Amen, le Amen.